Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tout, 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 spécial. On se retrouve les amis pour une présentation de base. Et le premier épisode, vous l'avez adoré en compagnie de Blackbird. Donc j'ai décidé de refaire le deuxième épisode en compagnie de Blackbird. Et j'espère aussi qu'il va autant cartonner que le premier. Vous avez fait... Vous avez été massif sur les pouces bleus, sans pouces bleus. Et aussi euh, max de vues et de likes, de, like, de commentaires. C'était vraiment cool. Donc aujourd'hui, j'ai choisi la faction. Euh... Je vais voir f admin off. Je vais voir le nom de la faction euh, Panda Wasta. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, mais c'est pas grave. Mais bon, comment vas-tu Blackbird aujourd'hui bah, Ça va tranquille. Ah le moi aussi ça gros va gros. tranquille, tranquille les potes, on est proche de l'ouverture du serveur bleu, on travaille à fond, on est à fond sur le rouge aussi. J'ai plein de nouveautés qui vont arriver sur le rouge les amis euh, la semaine prochaine. Ah oh, putain, je suis trop excité de vous parler de ça, mais ça va arriver vraiment très bientôt. Euh, nouveau launcher, euh, vraiment bien design et tout, bref, je vais vous en parler plus tard. Et pour la même occasion, je vais faire un concours lors de l'ouverture du serveur bleu pour gagner euh, 5 grades premium à vie sur le serveur bleu et 5 grades premium à vie sur le serveur rouge. Euh... Commençons tout de suite avec la présentation en bas, je pense que je vous ai tout dit. Euh, dernier petit truc les amis, si vous voulez suivre mes lives, euh, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, icons, QC je live tout, 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 tous les jours. On est rendu maintenant au jour euh, 7, à l'heure que je tourne cette vidéo là, on tourne le jour, euh, on le tourne le 22 juin. Donc euh, voilà, euh, on est rendu à 7 jours de suite où ce que on fait euh, des lives. Donc voilà, commençons maintenant. Donc pour la panda, wasta euh, Blackwell, je l'invite à te téléporter vers moi. Il y a un PNJ ici qui donne de l'or euh, On est dans la base euh, du dernier étage, en gros c'est une base qui monte de haut en bas Je vais euh, prendre une boussole Basse tour Pour euh, vous montrer ça, en gros oui c'est une base tour Mais c'est une base qui commence de haut en bas en fait, c'est vraiment étrange C'est une vraie tour C'est euh, sur un claim en gros Donc on va faire F admin 1 pour pouvoir regarder dans les coffres Donc euh, on peut voir c'est très pas la richesse non, okay. suis... Ils se sont fait piller ou ouais Ça se peut qu'ils se sont fait piller, je sais pas ils sont super pauvres mon pote Non, ah non, moi je sais pas comment ça se fait tu verras après. Ok, c'est étrange. Euh, ben, ils ont pas de stuff et avant il était full P4 et tout. C'était genre marqué P4. Ah, c'est bizarre tout ça. Ah, c'est peut-être ici. Ah non. Bref, bref, bref. Premier étage un peu euh, un peu bof, bof en vrai. Je sais pas pourquoi ça c'est là, mais on va remettre ça là. Euh, premier étage est bof, bof. J'aime pas trop le design de la sandstone avec ça. Ça, moi j'aurais Au pas eu ça. Mais hein. voilà. Ensuite, on remonte en haut. On a le deuxième étage. Poches, attends le second. Où ça ou mets toi bah, en, normal ah, tu me vois pas quand je suis en véniche non nope. il y en a dans le trou y en a. ah ouais ils sont peut-être fait piller <laughs> t'as raison étrange 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 bref même s'ils sont pas fait piller qu'ils se sont fait piller euh, je vais vite fait peut se, peut présenter la barre je veux dire c'était la fin longtemps que je l'ai préparé. donc deuxième étage on avait euh, des champs de canne à sucre assez grains. Euh, comme vous pouvez voir assez vides aussi je sais pas pourquoi euh, mais bon Assez grand. Ensuite, vous montez ah, dans l'autre étage. Vous avez euh, une place ici. Et je crois que les coffres ici c'est des coffres protégés. Enfin bon, la base était vraiment badass en vrai. Hein, comme vous pouvez le voir ici. Euh, ici, ça devait être une forme à Iron Golem. Je crois. Je crois ici que c'était une forme oui. à Iron Golem. Où ce qu'on est ici euh, Juste ici avant. Parce ah, que là, 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 dessus, ouais, dessus Bah, ici, Gun. Ouais. Il tombait ici en fait. Ah ouais. Il ouais. tombait là. Ouais Avec des hoopers qui allaient jusqu'ici Après en bas t'avais des fleurs et des loups. Ouais ça se peut, je sais pas ils ont l'air ont à savoir faire piller les gars Ensuite vous aviez euh, des anti fk ici Pas super bien caché hein. Des euh, anti-AFK euh... Ensuite vous avez un PNJ là Je sais pas qu ce qu'ils ici là Ensuite vous aviez ben, la oh salle à la golem Ouais la base était vraiment vraiment big euh, Mais je crois qu'ils se sont fait piller mais bon ça reste une putain de base, je trouve qu'il y a putain de travail derrière, donc j'essaie je, de la présenter. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de la présenter de toute façon, mais qu'à chaque fois mon record il plante ou quoi. Donc voilà, euh, ils sont pas super riches, mais la structure de la base est plutôt bien organisée, je trouve. Chaque étage comprenait un truc, comme ici vous pouvez voir, c'était sûrement des spawners de zombies. On peut en témoigner ici, les spawners, les zombies devaient tomber ici et eux ils, ils, ils fermaient tout ça. On va remonter ici. Euh, en montant encore, ici on avait euh, une salle à potions avec des coffres euh, bien protégés quand même. Yeah. Il y a quand même pas mal d'eau ici. Et je suis pas certain, mais je pense qu'on peut continuer à monter. C'était ici, il y avait une salle avec plein de PNJ. Euh, quand j'étais venu, c'est toutes des PNJ. Genre, euh, il y en a des cheats et il y en a des moins cheats. Euh, il y en avait un qui était P4U3. P4 euh, il y en avait un qui était P4 puis un autre U3. Je sais pas c'est lequel. Comme lui, il faudrait que c'est le 2. Bon, c'est pas un peu de la marde mais bon. Voilà. Ensuite, quand on monte ici. Il y a quoi euh, C'était les plastrons P4 et les trucs là. Ouais, ils se sont fait piller, c'est clair, ils ont tout dénagé, ils ont fait des tours de cobble pour monter jusqu'en haut de la base. Avant, c'était des échelles en fer. Donc après, si vous voulez, on va aller voir les protections ensemble. Donc, euh, il y a un bloc de cobble no rare. Donc, la base, les protections, c'était une couche d'eau avec une autre couche d'eau. est ce que je vois, mais ouais, il y avait trop de bugs. C'était easy pillable à partir d'ici. Euh, il y avait trop... Les couches comme ça, c'était ça faisait... Ah oh, non C'était un anti-TP ! Un anti-bug TP ! Mais ça reste qu'il y a des possibilités de piller avec ça, mais oui. Je, je sais comment faire, là. Par exemple, tu te mets ici. On va parler dans une anti bug TP, ici. Puis il euh, y a une solution pour euh, péter euh, tout ça. Euh, sinon, la base était vis-à-vis d'où sur un océan, non? Non, normal, en plein... Non, de... ouais, pas Comme de ça. Dire. Wow. Bah ben, putain, mon pote, vous aviez géré, les gars. Euh, quand même, vachement bien. Donc, félicitations. On se reprend deux secondes. Je suis désolé de ce dérangement, les amis, je reprends. Donc, je disais, ouais, la base est quand même euh, putain de bien protégée. Euh, C'est une base assez badass, comme vous pouvez euh, constater. Bon, putain de mal claim quand même. Hein. On peut se le cacher. Euh, C'est très, très, très ma mal claim même. Euh, mais encore là, ouais, à partir d'ici, euh, c'était easy canon. Ici, ouais. Donc, c'était quand même assez easy canon. Euh, un peu dommage, mais bon. Ça reste une belle base, euh, les coordonnées, on va vous les montrer. Non, je rigole, bande de... Con, vous avez cru. Mais ça reste une putain, putain de belle base. Même si j'aimais pas le, le Bob à cause de ça. Moi, j'aurais mis ben, autre ça. J'aurais enlevé ça aussi. Mais bon. Ça reste une très belle base. Plusieurs étages. Assez cool. Euh, moi, j'aime bien la base. Même si elle est pétée, elle reste encore super belle, hein, les gars. Donc voilà, c'est possiblement euh, la plus grosse base qu'on a visionnée depuis le début de l'épisode. Si vous avez une base à euh, faire soumettre pour le présentation ou quoi que ce soit les amis c'est très simple vous marquez dans le, dans le commentaire en, dans cet ordre votre pseudo le nom de votre homme ou sur la base game et ensuite vous euh, me dites le nom de votre faction et vous répondez aux questions suivantes est-ce que vous recrutez oui ou non est-ce que vous euh, est-ce que vous, euh, vous avez plusieurs bp euh, si oui les noms et les hommes de chaque bp les noms des hommes de, de chacune des autres et puis voilà. Pourquoi ça Pourquoi je les fais plus en live avec les personnes euh, Parce qu'il y en a trop qui... Euh, je, en fait, j'avais tourné déjà 12 épisodes et puis ben, ça, ça s'est pas très bien déroulé. Disons ça ici La personne faisait plutôt sa pub et... Elle était pas... Disons, elle était juste là pour en le fond avoir de la pub pour sa chaîne YouTube. Donc j'ai trouvé ça un peu badass. Un peu bad. T'sais. Moi, je faisais juste présenter leur base et tout. Parce qu'elle était badass. Mais bon. Enfin bon. C'est pas très grave, j'espère au moins que euh, les prochains épisodes vont toujours se faire avec Blackbird parce que c'est une personne qui fait toujours des grosses conneries de merde, hein. Petit Blackbird, hein. Et puis voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Euh, pour le... Un, un random commentaire va se mériter euh, deux lucky blocks. Euh, deux lucky box, what the fuck. Deux lucky clés. Donc euh, vous commentez n'importe quoi, quelque chose qui me ferait et les deux plus drôles commentaires vont aussi remporter. Euh, Donc en gros si vous voulez présenter votre faction, vous mettez votre faction et euh, votre blague et puis voilà. Bref, 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 c'était un compte de le Pikachu de l'Internet. Bonne fin de journée les amis, je vous aime tous. Du le plus profond de mon cœur. Salut